Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Poitiers Basket 86. Bienvenue ici à Saint-Éloi pour la 13e journée du championnat de France de National 1, la dernière de la phase aller. Le PB86 8e reçoit l'Avenir Basket Berck Renduflier 13e. Et pour vous faire vivre cette rencontre, comme d'habitude, je suis avec Sylvain. Salut Sylvain. Salut comment, Joris. Comment ça va? Ça va impeccable. Pleine forme? Ouais, un match, on disait ça la semaine dernière, un match important, mais je pense que ce soir c'est vital parce qu'on rencontre une équipe qui ne va pas forcément très bien. Il faut prendre les points. Bon, avant de parler du PB86, comme on en a l'habitude maintenant, on a un partenaire ce soir. Et ce partenaire, bah, vous le voyez à l'écran. Ça parlera tout seul. C'est KFC qui nous suit ce soir. Il y a une occasion particulière, sinon. Il y a une occasion particulière. Il y a l'ouverture du troisième restaurant qui va avoir lieu dans à peu près deux semaines, le 13 décembre. Et ça sera du côté de Beaulieu. Ce soir, à gagner, comme d'habitude, un jeu concours, un bucket pour 4 personnes et moins 10% sur toutes les commandes. Pour tous ceux qui jouent. Tous ceux qui jouent avec nous, moins 10%, c'est tout simple. Donc vous en avez l'habitude, le QR code à scanner, le lien dans le chat du live qui va apparaître tout au long de la soirée. Et puis voilà, on va jouer avec KFC ce soir. Le PB86, on en parle sur courant alternatif depuis le début de saison. Je vous le disais tout à l'heure, 8e, 6 victoires, 6 défaites. Le bilan est équilibré. On s'est quitté la semaine dernière sur une défaite ici face à Lone Plage. Score 66-69. Oui, de 3 points. Ça joue sur une possession. Ça joue à rien et ça confirme que le PB, c'est toujours pas ça pour l'instant. Alors c'est pas ça, surtout à domicile, parce qu'ils sont capables de gagner sur la route. Et on a beaucoup, beaucoup de mal à la maison. La salle n'est pas forcément pleine, elle n'est pas hostile. C'est important, même vital maintenant, on le redit à chaque match. Mais on a vu plus de défaites que de victoires dans cette salle. Il va falloir que ça change. Mardi, il y avait match au sable en déplacement. Et puis, tu le disais, à domicile, c'est pas ça. Mais à l'extérieur, ça fonctionne pas si mal. Victoire de 10 points au sable. On a vu des belles choses, hein, notamment un Marcus Relford en forme, un Morgan Durand, on va en reparler tout à l'heure. Ouais. Je sais que tu l'as vu, qui a fait... Alors, un match sérieux, un match contrôlé. Ça fait du bien de voir le groupe réagir comme ça, réagir en groupe. Ça fait du bien de voir Morgan Durand mettre des points et suppléer un petit peu Marcus Relford. Et puis, on a vu le retour de Jonathan... qui est revenu et qui est... Ça, c'est la bonne nouvelle de la semaine. Ouais, il a joué une petite minute 30, c'est pas ça encore, mais il revient petit à petit. Il y a une longue absence, hein, c'est 6 à 8 semaines qu'on avait annoncé au début, et puis c'est ce qui a été, ça a été le cas finalement. Il va revenir ce soir, on aura peut-être l'occasion de le voir un peu plus de temps. On a parlé de ces choses principales-là. Moi, j'ai un petit moment stat à te présenter. Vas-y. J'ai 80, le nombre 80, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. Eh ben, c'est tout simplement le nombre de points qu'encaisse le PB86 en moyenne depuis le début de saison. Beaucoup. C'est tout simplement la pire défense du championnat. C'est 972 points encaissés depuis le début de saison, pire défense. Et puis un deuxième petit chiffre, c'est 2 victoires, 4 défaites. C'est le résultat ici à domicile. Comme tu le disais, pour l'instant, on n'arrive pas à perfer du côté PB. Et le point positif quand même de la semaine, dernière avec la défaite de Lone, c'est que le PB a défendu. Alors ils ont perdu de 3 points, mais ils ont encaissé moins de 70 points. Il y avait des choses vraiment sérieuses. Je me rappelle, tu étais en train d'interviewer Jim là-dessus. Bon, ben Jim le disait clairement, il faut savoir défendre pour pouvoir gagner les matchs à domicile. Maintenant, ça défend. L'étape d'après, c'est de gagner les matchs. Bon, et bien cette défense, on va la voir ce soir. On affronte Berck, 13e. Il y a un autre match qui va jouer très rapidement. Ça sera mardi, ici même. On se retrouvera en live. C'est face au 14e, le Pôle France. Là, il y a deux matchs, le PB86, il ne faut pas rater. Alors, même trois, parce que le match qui a eu lieu cette semaine contre les Sables, en fait, c'était les trois derniers du championnat. Donc, les Sables, c'est fait. Maintenant, ce soir, on a Berck et puis le Pôle France, qui est toujours un match assez particulier, en plus en semaine, mardi. Voilà, il faut emmagasiner des victoires parce qu'on arrive au bout de cette phase d'aller et qu'il faut engranger les points contre les moins bien classés. Et parlons de cette équipe qui va être opposée au Poitiers Basket 86 ce soir. L'Avenir Basket, Berck Renduflier, le nom est assez long, mais c'est comme ça. 13e, je vous le disais, 3 victoires seulement, 9 défaites. Et on en discutait en avant-match, cette équipe, elle est capable du meilleur comme du pire en fait. Ouais, elle est capable du meilleur comme du pire. Elle a justement perdu contre le Pôle France le match dernier, ce qui est quand même assez rarissime quand même en National 1, parce que normalement le Pôle France est toujours à la traîne. Et malgré ça, bah, ils ont gagné contre Vitré. Là où nos joueurs ont pris 20 points d'écart. Donc être capable de gagner Vitré, mais être capable de perdre contre le Pôle France, bah, c'est alterner le chaud et le froid en fait. Cette équipe-là, elle monte, c'est les promus, tout comme Lone Plage la semaine dernière. D'ailleurs, ils s'étaient croisés en play-off. C'est Berck qui avait éliminé Lone en demi-finale de play-off. Mais cette année, c'est parcours différent pour l'instant. C'est assez particulier parce que avant le championnat, finalement, Berck était mieux parti que Lone, en tout cas sur le papier.
L'Aune a fait beaucoup de changements, a changé de coach, a changé plein de choses. Finalement, la mayonnaise a pris du côté de l'Aune. Et là, Berck, y a du mal, y a des tensions. Voilà, c'est une équipe de fans de tableau qui cherche quand même à sauver parce que c'est leur premier parcours en National 1, malgré le fait que ce soit un très grand club de basket français. Parce qu'il y a des titres derrière. Mais c'est vrai que dans l'histoire récente, en fait, ce club-là, la National 1, c'est déjà une sacrée étape. Il faut se stabiliser. Ouais. 13e, on le disait, ce championnat de France de National 1, il est découpé à l'issue de la première phase en trois parties. La poule basse, c'est les quatre derniers. Si Berck veut s'en sortir, ils ne sont pas très loin puisque le 10e et donc le dernier de la poule intermédiaire, c'est Tarbes Lourdes avec 5 victoires, 7 défaites. C'est seulement 2 victoires de Berck, c'est tout encore possible pour cette équipe. Ah, mais bien sûr que c'est encore possible, il faut emmagasiner. Faut emmagasiner les victoires, faut bien vivre sur la route. En plus, là, le fait de faire une fin de championnat en mois de décembre comme ça, avec pas mal de matchs tous les 3 jours, ça change la donne et ça peut permettre d'enchaîner les victoires. La présentation des effectifs avec en commençant Berck, ça va être dans quelques instants. Nous, juste avant que ça commence, on en profite pour remercier notre équipe de production, comme d'habitude, 305. On va un petit mot derrière les gens qui sont derrière les caméras. Donc il y a Gaëtan et Antoine qui prennent les images. Et puis à la réalisation, il y a les habituels Tommy Humbert et Paul Auboin de la Murène Production et qui font un travail assez formidable. Bon, ben voilà, pour les remerciements, on vous rappelle une petite dernière info avant que ça commence. Il y a un match à l'Arena dans pas très longtemps. La billetterie est ouverte, on en parlait la semaine dernière. Le 20 décembre, c'est ça ? Le 20 décembre. Alors, je voulais essayer d'avoir un scoop parce que je sais, pour avoir demandé aux administratifs du club, les places partent vite, partent vraiment très vite. Et ils ont été assez impressionnés par le nombre de places qui ont été achetées la semaine dernière. Si jamais vous avez envie de vivre ce match de Noël le 20 décembre, juste un conseil, ne tardez pas trop à aller chercher les places sur la plateforme du PB86 parce que ça va être plein à craquer. 5000 places, on le rappelle, hein, ça fait du monde. Soyez avec nous, prenez vos places. Ça sera le 20 décembre. En attendant, nous, je vous le disais, on se retrouvera mardi pour la 14e journée de ce championnat de France de National 1 face au Pôle France. Le PB86 doit rebondir, doit lancer sa saison, enchaîner les victoires. Et pour ça, rendez-vous ici à Saint-Éloi, ce match-là important face à Berck. On a vu la présentation des effectifs. Je sais qu'il y a un joueur qu'on connaît particulièrement bien, nous. C'est Dominique Gentil. C'est Dominique Gentil, ça fait toujours plaisir de le voir. C'est un monsieur du basket 3-3 et on est toujours très heureux. C'est une année compliquée pour lui, mais c'est un grand joueur de basket. Surtout de basket 3-3, capitaine de l'équipe de France il y a de ça quelques années. Eh bien, il a rebondi en partant du Havre pour signer ici chez le promu. Le Poitiers Basket 86 qui est présenté sous les applaudissements des publics. Une salle pas très pleine ici à Saint-Éloi ce soir. Ça va se remplir petit à petit, mais on le sait, il faut que le résultat soit là pour que les supporters reviennent dans cette salle Jean-Pierre Garnier. Donc le PB86 doit absolument gagner. C'est ce qui doit être fait ce soir. Une victoire mardi pour relancer cette dynamique. Et puis dans quelques instants, on va vivre la présentation des effectifs avec toi, Sylvain. Oui, bien sûr, Joris, avec grand plaisir. On va découvrir un petit peu ces effectifs. En commençant par l'effectif de Poitiers. Alors, on va commencer par Berck. Alors, vous connaissez bien ce visage de Dominique Gentil, Florian Chapuis, Arthur et Kenny. Alors, attention, moi, il y en a un que je me méfie beaucoup, c'est Alexandre Moisy, capable de faire des séries à 3 points assez colossales. Ça va être... Ça va artiller de loin. Et puis on va enchaîner à la présentation de nos joueurs Poitevin. Vous les connaissez, vous en avez l'habitude. En doublette sur le poste de meneur, Charlie Pontin, c'est Marius Chambre. Sur le poste d'arrière, Marcus Relfort, notre Américain qui ne cesse de cartonner. Et Morgan Durand qui pointe le bout de son nez sur les derniers matchs. Kevin Mendy associé à Emmanuel Pro sur le poste 3. Le retour de Jonathan Jeanne ce soir accompagné d'Alexis D'Argenton. Il va faire du bien. Air Martinique. Et puis pour finir, nos intérieurs. Big guy. Jim Seymour et Bali Koulibaly. Voilà les 10 joueurs que compose l'effectif. Alors à ça, on peut rajouter... comme d'habitude, un petit jeune de la N2 qui est monté, c'est Martin Vergès-Pascal, pour compléter
Si besoin. Exactement. Des fois c'est Mousse et des fois c'est Martin. Ce soir c'est Martin. Ils s'échangent la place et on envisage pourquoi pas un scénario où le PB86 s'impose assez largement, on l'espère. Eh bien on pourrait voir pas mal de minutes de ces jeunes-là comme Imanol Pro sur le début de saison qui commence à faire son trou. Hein. Imanol, il a plus de minutes. C'est plus qu'à faire valoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il est capable de rentrer dans le 5 majeur, de faire du taf offensif, de faire du taf défensif. Non, Imanol est en train de prendre une dimension digne de la National 1. Ça devient un joueur complet dans cet effectif. Et je crois même que Andy Thornton-Jones compte maintenant sur lui à chaque match. Et on l'a vu débuter à chaque fois sur ces derniers matchs-là, dans le 5. Remplacé ensuite par un certain Morgan Durand qu'on pourrait apprécier dans le duel que tu vas nous présenter Sylvain dans quelques instants. On a choisi pour ce duel de faire Opposer deux garçons, on en parlait de Morgan Durand. D'un côté, on a choisi de mettre en avant l'Américain Kai Mitchell qu'on va découvrir tout de suite. Alors d'abord, c'est un globe-trotter formé du côté des États-Unis, bien sûr en NCAA. Il a ensuite été en Finlande. Ensuite, il a été du côté de Madère, c'est ça, en Espagne ? Au Portugal, pardon. Et puis finalement, il a atterri pour la première fois en France. Et c'est le meilleur marqueur et le meilleur scoreur de cette équipe. Et de l'autre côté, on voulait faire un petit clin d'œil à Morgan Durand qui a sorti un vrai gros match. Alors on sait, hein, c'est un serial shooter. On a besoin de lui et psychologiquement, on a besoin qu'il soit bien. Un 6 sur 9 cette semaine à 3 points au Sable d'Olonne, c'est quand même pas mal. C'est la deuxième arme offensive attendue pour le PB86. Et puis, petit à petit, statistiquement, il se rapproche de ses standards. Et on le disait, il avait eu du mal dans ce début de saison à trouver sa place dans cet effectif. On le sait, c'est un shooter, il marche à la confiance. Et bien cette confiance, il semble l'avoir trouvé sur les derniers matchs. Puisque le dernier à domicile face à Lone, il avait réalisé une belle perf également. S'il pouvait continuer sur sa lancée, eh bien ça ferait beaucoup de bien aux joueurs du Poitiers Basket 86. Alors qu'on va pouvoir vous annoncer le 5 des deux côtés. Du côté PB86, c'est un classique. Charlie Pontin s'associe à Emmanuel Pro sur la ligne extérieure. Notre Américain Marcus Telford en poste 3. Et puis Kevin Mendy, le capitaine, avec Jim Seymour pour compléter ce 5. Et puis du côté Berk, Sylvain, est-ce que tu as le 5? Alors moi je vois Tommy Chikaya, je vois Luigi Laporal. On a Alexandre Mendy, le capitaine numéro 95. On a également Alexandre Moisy avec son numéro 21. Et puis enfin le numéro 7, Tom Chikaya, qui en parlait. Voilà, bien joué à contre-pied. Et la balle sera donnée à Berk. Alors que l'Américain dont on parlait, meilleur rebondeur, meilleur marqueur, ne commence pas. Oui. Il est sur le banc. J'étais un petit peu perdu. Je le cherchais, je ne le trouvais pas. Eh bien, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Elle était un peu bandée au niveau du mollet. On espère que c'est rien de grave pour lui. Alors qu'on a Hugo qui nous dit bonsoir Poitiers, bonsoir les commentateurs, bonsoir la prod. Hugo, bonjour. Salut Hugo. On a aussi Zach qui est toujours avec nous de semaine en semaine. Et on a Julien qui dit bonsoir à Reims. Donc en fait ici c'est Poitiers ou alors Berck, mais il n'y a pas d'équipe de Reims tout de suite maintenant. Alors est-ce qu'il vient de Reims? Peut-être qu'il s'est trompé. Dans ce cas-là, on garde toujours la même chose. Hein. Vous nous dites d'où vous regardez le live. Et pendant ce temps-là, ça fait 2 points. Pour Berk, oh, ça va jouer. Charlie va bien sûr jouer de sa taille. Il a bien fait ça. Bien super. Sûr. Pour retrouver Imanol Pro qui score les premiers points du Poitiers Basket 86 pour égaliser 2 partout. Ça va jouer sur un pic extérieur directement la Poral. Et c'est un marché. Le pied qui a glissé. Ouais, il l'a senti d'ailleurs, il n'a pas contesté. Et ces ballons perdus, on en parlait beaucoup au début de saison, Sylvain. Et ça a été corrigé, ça, notamment par le coach Andy Thornton-Jones et puis par les joueurs sur le terrain. Plus trop de balles perdues sur les derniers matchs. Ah, c'était un vrai, vrai problème en début de saison. Hein. Oh, bien joué ça, Marcus Telford. C'est propre.
Marcus à 3 points. Petit step back comme ça. Ah, on sait qu'il les aime ces shoots-là. Meilleur marqueur du Poitiers Basket 86 sur les 12 premiers matchs, tout simplement. À chaque match que le PB a disputé, Marcus était le meilleur marqueur. Attention à Moisy. Oh, la petite passe, elle est bien jouée. Et c'est dedans. Et c'est Hébert qui revient 5 à 4. Allez, Marcus Radford, balle en main. On sait que quand il commence à marquer, il peut enchaîner sur des séries. Ouais, il va se le jouer en 1 contre 1. Il va aller scorer lui-même. Oh, non, bien joué pour Imanol. Belle position, ça. Ça fait pas loin pour Imanol. Bon shoot. C'était caviar de la part de Marcus Radford. Alors on le sait, il attire les défenses, notre Américain, et donc il sait distribuer également 9 passes décisives. Et ça repart. Dernier match face au sable. Un des gros soucis au-delà aussi la semaine dernière, hein, c'est qu'il y a une équipe de Lone qui a essayé de pourrir le rythme et qui a emmené le PB 86 avec un match mou. Et il ne faut pas que le PB retombe dedans, il faut que le PB imprime son rythme. Alors là, on a vu une nouvelle fois un Marcus Radford qui, dès qu'il a la balle, est rapidement pris à deux. Ça crée des décalages et donc des shoots ouverts. Et bonsoir au Portugal. Et encore un marché. Et ballon récupéré une nouvelle fois par les Poitevins. Et Charlie Pontins, après 3 minutes de jeu, un petit point d'avance pour nos joueurs. Allez, on rejoue encore la différence de taille. Et ça a été ciblé par le coaching. Bien sûr. On sait que le numéro 21, Alexandre Moisy, il a un déficit de taille sur le poste de meneur. Oh là, il était bien arraché là. Bien joué, Jim. Bien battu. C'est aussi parce que Charlie Pontan, c'est un meneur de grande taille. C'est ce qui fait aussi la différence. Faut pas hésiter à le jouer, Charlie, là-dessus. Et Charlie, il est habitué à être costaud, hein, notamment avec le 3-3. Et donc sur un meneur petite taille comme ça, il sait prendre l'avantage. On va ressortir pour Kevin Mendy. Oui, Marcus qui va sortir, c'est sa position. Bien défendu ça. Qu'est-ce qu'il est fort à aller chercher des fautes comme ça. Ouais, il y avait juste la main qui traînait un petit peu, sinon c'était parfaitement défendu. Patrice, notre habitué du live. Bonsoir Patrice. Depuis Pierrot Guirec, comme d'habitude. Et qui nous annonce une mauvaise nouvelle, il ne sera pas devant l'écran mardi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il sera dans la salle. Toujours 5 à 4. Alexandre Mendy qui s'est un peu jeté. On va avoir le décalage pour Marcus Radford à 3 points dans le 45. Ça sera court. Et ça repart, ça court, alors que Dominique Gentil a fait son entrée. Et le numéro 8 pour Berk. C'est nice. Et Alexandre Mendy qui est allé chercher la première faute d'équipe de Poitiers. Et ça va donner donc une remise en jeu fond. 16 secondes sur la petite horloge. Oh oui. Oui, interception, bien vu, Kevin Mendy. Un peu téléphoné quand même. Hein. Allez, Marcus Radford, le 1 contre 1. Qui joue tous les ballons, qui a envie de jouer tous les ballons. Et là c'est... qui a été bien défendu, il va commettre la faute derrière en voulant se rattraper. On aurait dit du football. On aurait dit une faute au Qatar. Et le coach nordiste qui demande... Par contre, quand Dominique saute comme ça et tombe sur le sol, c'est pas bon pour le parquet. Parce qu'avec ses épaules, c'est un coup à faire un trou, ça. Et il disait récemment qu'il avait perdu beaucoup de poids, lui qui était sur la balance à plus de 130 kg il y a de ça encore quelques mois. Il disait qu'il était descendu à 110 et que ses articulations le remerciaient, il disait dans la presse récemment. C'est que le garçon, il a 34 ans. Donc, il est plutôt jeune, bonne passe pour l'arbitre. Et par contre, il joue avec l'arbitre, ouais. Ça sera donc une nouvelle fois une perte de balles et un ballon récupéré par nos joueurs Poitevin. Charlie Pontins à la baguette. Et l'entrée de l'Américain, ça y est, du côté Berk. Kai Mitchell.
Le coach a peut-être essayé de lui faire gagner ses 4-5 minutes pour être plus frais. C'est pas grave, gamin. Il faut les prendre. Mais c'est des bons shoots. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il calcule. Il est totalement capable de les mettre. Imanol. Et là, il va devoir défendre sur Moisy. Bien joué. Oh, bien joué. Ça, c'est bien fait. Il s'est faufilé dans la défense Poitvine. Et ce qui permet aux visiteurs de reprendre le lead. 6-5. Allez, Charlie qui recule. Il va jouer en 1 contre 1 son défenseur. Bon, allez, décalage. Encore. Bien joué l'extra passe pour Kevin Menil en 45. Ouf. C'est oh là, proche du airball. Petit problème de visée. Alors le PB a bien compris que la solution était à l'opposé. Maintenant il faut mettre les shoots. Et ça, ce problème d'adresse, c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière face à Lone. Oh, tout en 1 contre 1. Ah, bien joué Marcus Relford avec sa petite main gauche. Et ça repart. Imanol qui court. Alors qu'il y aura un double changement à suivre pour le PB 86. On va mettre du 109 sur le terrain. Kevin Mendy qui ne trouve pas la solution. Et là, niveau adresse, on n'est pas bon du côté Poitiers. Alors, il y a des vrais bons shoots du côté de Poitiers. Par contre, il y a très peu de présence de la balle dans la raquette. Pour le moment, il y a beaucoup de shoots en extérieur. Alors, soit on est à droit, on les met, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à les rater à 4-5 mètres, il va falloir trouver d'autres solutions, rapprocher un petit peu la gonfle du cercle. Allez, Morgan Durand qui fait son entrée accompagné de Bali Koulibaly. Les recrues de cette année font leur entrée sur le parquet. Oui, bien sûr. Bien allez, servi. Faut finir ça. Ben voilà, tout de suite. Coaching gagnant sur la première action. 2 points de plus pour Poitiers. Ça fait 7-6. Allez, belle position, ça aussi. Ça sera manqué. Pas d'adresse non plus non. Du côté opposé. Très, très peu d'adresse. Et Marcus Redford face à Dominique Gentil est passé la bonne main gauche. C'est peut-être ça la solution, aller les provoquer un petit peu à l'intérieur pour aller chercher des points près du cercle. 9-6. Ça circule plutôt pas mal offensivement du côté de Berck. Là, il reste 6 secondes par contre, il va falloir attaquer. Il demande le pic, on va décaler pour Kai Mitchell. On sait qu'il peut les mettre ces shoots là à 3 points. Celui-là restera court. Et on a notre Energizer en chef, Marius Chambre, qui s'échauffe derrière le plot de remplacement. Oh, ça double, il va pas tarder à rentrer. Mais il l'a vu. Marcus Rayford, il l'avait vu. Ah, il a une vision. Il sait servir ses coéquipiers dans le bon timing. Là, malheureusement, Bali Koulibaly a eu du mal à s'en saisir. Joris, pour le moment, du côté de Poitiers, on est à 1 sur 6 à 3 points et on est à 0 sur 3 du côté de Berck. On a vu un match pour le moment avec un 1 sur 9. Et bien, ça ne peut que s'améliorer. C'est ça. Et ça restera court. Kai Mitchell qui roule dans les parages et qui récupère le rebond offensif. Qui derrière va venir poser son pic pour le meneur. Bonne circulation. Oh, c'est dur de balle, ça. Qu'est-ce que c'est difficile compliqué. Comme shoot. Allez, Marius Chambre ouais. Qui va pouvoir mettre là, le il y a un surnom. Pourquoi pas. Il y a un surnom, mais il va falloir jouer. Surtout qu'Alexandre Moisy est sur Kevin Mendy. Ah, Morgan Durand est légitime à prendre ce shoot. Oui, bon décalage. Bali Koulibaly dans la peinture, dans son jardin. Qui va scorer les 11e point pour le PB 86. Allez, il faut continuer sur cette défense. Oh, petite passe comme ça là, c'est ouais, bien joué. Il était esselé. Mais il ne pouvait pas finir. Alexandre Moisy, il a fait le tour de toute la surface Poitvine pour aller finir avec un petit flotteur. Ah, il a fait le tour du quartier. Et ça fait 11-8. Marius Chambre qui attend du mouvement. On joue beaucoup de pick and roll avec Bali Koulibaly. Et puis on a raison du côté Poitiers parce que ça fonctionne. C'est pour le moment la solution. Bali Koulibaly à l'intérieur. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le stopper.
Ouf, bien défendu. Il est de nouveau sur les fesses et ça avance. Marius Schamm qui va aller peut-être au bout. Ah, c'est long et ça sera récupéré. Ouais, elle est redonnée à Berck. Un peu trop vite, Marius. Ah, il n'a pas réussi à temporiser juste avant de finir. Et entrée de Alexis d'Argenton. 4 de nos 5 titulaires sont sortis. Il reste bien sûr Marcus Redford, lui qui a joué la quasi-totalité du match face au sable. Et pour le moment, il n'y a que Martin et Jonathan Jeanne qui ne sont pas rentrés. Finalement, tout le groupe sur ce premier carton, enfin quasi tout le groupe, a réussi à rentrer sur le terrain. Dominique Gentil, il a 7 secondes pour attaquer sur un pic avec Mitchell. Balle à Mitchell. Et qui c'est dedans? Bien fait, Kai Mitchell. 13 à 10. Allez, Morgan Durand qui va jouer sur Bali Koulibaly. Duel de gros bras. Et N1 pour Bali Koulibaly. Le panier plus la faute de Kai Mitchell. Et pour l'instant, Bali Koulibaly fait une entrée fracassante. Il fait du bien dans la raquette. Et maintenant, il a un lancé. À suivre, le lancer est réussi. Meilleur joueur meilleur scoreur pour le moment sur le terrain. Avec, si je ne m'abuse, 9 points. Et bien voilà, sortie de Marcus Redford. Il va aller souffler quelques instants. 30 secondes avant la fin de ce premier carton. Charlie Pontin fait son retour sur le parquet. On joue petit hein, là du côté Poitiers. Avec Morgan, Marius et Charlie sur le terrain. Mais bon, on a ce qu'il faut pour compenser à l'intérieur. Et on va attendre cette dernière possession. Il reste 6 secondes à l'horloge. 4, 3, 2, allez, allez. Oh là, c'est dur ça. Ah, et la passe n'était pas super pour Morgan Durand. Il le sait, Charlie. Ouais, il s'en veut un petit peu. Fin du premier quart-temps, 16 à 10. C'est le score après 10 minutes de temps de jeu. Pas la meilleure première partie qu'on ait vue. Allez, une petite pause pub. Allez, pause pas longtemps, juste l'histoire de boire un coup. C'est parti. Découvrez le burger original du colonel. Cuisiner, c'est l'embarras légendaire. Le colonel original burger de KFC. On le rappelle, KFC qui finance ce match, ce live. Merci à eux pour l'ouverture du nouveau magasin qui aura lieu à Beaulieu à partir du 13 décembre prochain. Alors que vous découvrez les danseurs. J'ai failli dire le nom, mais j'aurais dit une bêtise. Je pense que ce sont les Corinthia. C'est l'école des Corinthia. Exactement. C'est marqué sur le t-shirt en même temps. Joris, dis-le moi. Bien vu. Bah oui. Ah, c'est qu'on est un peu, on n'est pas au plus près. Mais d'ici, ouais. Ma vision est trompée. Et vous apercevez notre DD régional, national, qui se fait plaisir aussi en regardant les danseurs. Pour le moment, un début de match assez cool pour DD. Ouais, on rentre tranquillement dans la partie ici. On le disait tout à l'heure, la salle de Saint-Éloi n'est pas très remplie ce soir. Non. Mais petite chambrée. Mais forcément, eh bien, il faut que les résultats soient là pour que le public suive. Et c'est la mission des joueurs Poitevin ce soir, renouer avec la victoire à domicile. Et Joris, pour le moment, meilleur marqueur du match, Bali Koulibaly, meilleur rebondeur du match, Bali Koulibaly. Pas mal. Disons que c'est le monsieur plus pour le moment. Les points positifs quand même, c'est de voir que Berck a laissé son équipe adverse à 10 points seulement en un carton. Elle qui, comme tu le disais, a du mal à défendre et à faire baisser les scores des équipes adverses. Bon bah 10 points en un carton, c'est toujours bon à prendre. Bon décalage, ouais, dans le décalage. 0 degré, ça sera trop long. Bien sûr. Allez, Charlie Pontin, balle en main.
Oh, bien ressorti de la part de Morgan qui s'est trouvé une ouverture avec Dominique Gentil sur le paletot. Et ça circule. Et de nouveau Morgan. Ça restera court pour Morgan. On va pouvoir jouer vite, mais bien fait. Par contre, beaucoup de balles perdues hein, du côté de Berck pour le moment. On était à 5 à la fin du premier quart-temps. Et là, ça fait une sixième donc. Allez, Bali Koulibaly qui va pouvoir jouer son 1 contre 1. Non, donner une balle à Charlie qui n'arrivera pas à s'en saisir. On a les solutions pour scorer plus hein, du côté Poitvin. Maintenant, il va falloir ajuster ses détails. Alors, on a Pascal qui nous suit de Jakarta en Indonésie. Et on a un Aleberk de Jenny Vast. Sachez ici, si vous êtes fan de l'équipe de Berck, n'hésitez pas à nous donner des infos pour nous faire découvrir votre équipe. Ce sera avec grand plaisir. Chattez avec nous. Allez, et c'est parti. Ouais. On va servir une nouvelle fois Bali Koulibaly dans la raquette. Là, il y a un client en face hein, pour défendre avec la porale, mais bonne défense, meilleure attaque. Bali Koulibaly qui continue dans ses œuvres. Et qui est maintenant à 11 points sur les 18 du PB 86. Et 11 points, il a déjà dépassé sa moyenne, hein, puisqu'il tourne à 10 points depuis le début de saison en moyenne par match. Ouais, et là, il répond défensivement. Ça va être un shoot difficile pour l'équipe de Berck. Oh, bien fait. Bon retour de Morgan Durand qui est venu gêner dans les dernières secondes de possession. Allez, le même duel, mais de l'autre côté. Et une nouvelle fois, c'est Bali Koulibaly qui en sort vainqueur de ce duel-là face à la Poral. Allez, ça circule avec Marius Chan. Bali Koulibaly encore, ils sont obligés de doubler sur lui. Donc il faut qu'il cherche à l'opposé. C'est Alexandre Mendy qui va faire la faute. Première faute d'équipe dans ce carton. On va avoir un double changement du côté Berck. Avec... en plus un temps mort demandé par le coach. Laurent Cristra, temps mort bleu demandé. Et 7 minutes 30 à jouer dans ce deuxième quart-temps. 6 points d'avance pour les Poitvins, 18 à 12. Début de match assez tranquille. Et on va se faire un petit point statistique. Pour le moment, à part au niveau des rebonds dominés par Berck, que ce soit au niveau des shoots à 2 points, des shoots à 3 points, des lancers francs, des passes décisives, des interceptions, des contres, des balles perdues et des fautes, eh bien c'est tout est au vert pour du côté du PB86 qui donc domine toutes les lignes statistiques à part les rebonds. Et on l'a vu, hein, y a beaucoup de rebonds offensifs du côté de Berck qui va récupérer un deuxième shoot, une deuxième chance. Mais pour le moment ça ne paye pas, mais c'est aussi ce qui fait que Berck reste au contact de Poitiers. Enfin, pour le moment, il n'y a pas de scoring, donc on peut se dire que 6 points, c'est beaucoup. Mais tous ceux qui connaissent le basket savent que 6 points, c'est rien. Il faut continuer à travailler sur la longueur et continuer à scorer. Le scoring, il va surtout venir de derrière cette ligne, hein, parce que tu en parlais tout à l'heure, 1 sur 9. Bah là, on a augmenté dans le mauvais sens. 1 sur 14 à présent, 1 sur 8 du côté Poitiers, 0 sur 6 du côté Berck. Ça va se régler au fur et à mesure, hein, on l'espère, notamment du côté Poitvin avec des shooters comme on a sur le terrain. Ça redouble sur Bali Koulibaly qui a arrêté son dribble mais qui a laissé l'opportunité. Oh, ouais. Et Marius Chambre qui va prendre un ballon dessous. Et ouais, malgré sa taille, pas forcément le plus grand sur le terrain. Même si c'est pas le plus grand, c'est toujours lui le plus actif. Ouais, c'est ça. Le plus vif. Le plus nerveux. Allez, Morgan Durand, on cherche vraiment à jouer sur Bali Koulibaly. Hein, oula, c'est très loin ça, pour Marius. Oh, il a disparu. Hop. La petite acrobatie par-dessus. Ah, quand on dit qu'il est nerveux et actif, oui. C'est bon, tout va bien, il est de retour sur le terrain. Et puis voilà, on vous en parlait, Jonathan Jeanne, applaudi par toute la salle de Saint-Éloi pour son retour à domicile. Absent depuis.
depuis plus de deux mois. De nombreuses semaines. Ça fait du bien de le voir. Bien sûr qu'on va avoir besoin de sa taille. Oh, bien provoqué. Edouane, bien fait. Ce sera deux points plus un lancer franc bonus pour Arthur Ekani. Et Jonathan, je suis allé voir son dernier match à domicile. C'était le 15 octobre dernier. Soit il y a plus d'un mois et demi maintenant. C'était face à Toulouse. La victoire d'un petit point ici. Et vous êtes à présent 524 en instantané. C'est de mieux en mieux. On sait que ça monte au fur et à mesure du match. Bonjour à tout le monde. Tous ceux qui nous ont rejoints. Le match... on va dire est un peu long à démarrer, mais pour le moment assez équilibré, 18 à 15. Ça c'est une perte de balle bien défendue du côté Berck. Et Alexandre Mendy qui va distribuer le jeu. Oh, c'est compliqué ça pour Lefebvre. Les ballons finalement récupérés, c'est un peu statique cette attaque. Des visiteurs, Alexis qui va faire la faute puisqu'il était dépassé. Et Alexandre Moisy qui va revenir sur le terrain. Allez, sortie d'Alexis et de Morgan Durand. Rentrée de Marcus et de Kevin Mendy dans un même temps. Sortie de Clé du côté de Berck. Allez, on est reparti, 6 minutes à jouer, seulement 3 petits points d'avance. Le BB86 n'arrive pas à creuser l'écart. Belle activité, ça ressort pour Ekani. Ekani, Mendy qui joue un contre un, Charlie Pontance. Oula. C'était dur, ouais. Là c'était très dur. On était entre la passe et le shoot. Ce ballon n'avait pas touché l'arceau, il y aura donc fin de possession et ballon récupéré par Poitiers. Et toujours 18 à 15. Jonathan Jeanne, oh, qui était dessous tout seul. Et Marcus qui a un avantage de taille, de vitesse. Sur Lefebvre, oh, bien défendu de la part de Lefebvre. Ouais, ils sont venus fermer à deux. Et par contre, il faut se lever, Marcus, parce que là maintenant, il y a un surnombre. Alexandre Mendy, bien sûr, qui va aller finir main gauche pour revenir à un seul petit point. Tout en suspension. Attention, le PB86 dans ce début de match qui n'arrive pas à creuser l'écart, on vous le disait. Oh, ça lui retombe dans les mains finalement et il va aller chercher les deux lancers francs. Et Marcus sur la ligne qui a eu un peu de mal là, dans ce début de rencontre. C'est un peu bloqué, seulement 5 petits points scorés jusqu'ici. On le connaît, hein, Marcus, il peut prendre un coup de chaud et marquer vite. On en profite pour aller faire un petit tour du côté du chat. Bonsoir Sylvie. Ah, c'est tout Diallo qui dit allez, allez Poitiers. Mathieu qui dit allez Poitiers. Saint-Éloi semble bien vide. Oui, il n'y a pas grand monde, mais il y a plus de monde côté hors caméra que face à la cam. Et 2 sur 2 pour Marcus Relford. Poitiers qui passe la barre des 20 points après 15 minutes de jeu. Oui, ah, il va aller au bout, bien sûr. Il est bien tout seul. Il n'y a même pas eu d'aide là-dessus. Ah, le public de Saint-Éloi qui n'est pas content. Ah, c'était un peu boulevard là, hein. Ça faisait un peu échauffement. Jonathan Jeanne qui va attaquer en 1 contre 1. C'est dur, ah, c'est ça. Bien, Jonathan... bien défendu, oui. Surtout. Et là, il y a Kevin Mendy qui en a pris une petite dans l'œil gauche. Et ce sera un temps mort. Peut-être pour nous l'occasion de lancer notre jeu concours du soir. On vous rappelle, hein, à gagner ce soir
un bucket familial pour 4 personnes. Et surtout 100% gagnant, puisque tous ceux qui jouent, une fois que vous avez répondu, vous avez un lien pour aller récupérer 10% de réduction à valoir sur les 3 restaurants. Tu connais les deux premiers ? Alors, il y en a un dans la zone Poitiers Sud. Exactement, l'autre. Et le deuxième, moi j'ai envie de dire qu'il est vers le nord, mais où exactement, je ne saurais pas dire. Du côté du Futuroscope. Et le troisième qui va donc ouvrir à Beaulieu. Et donc, pour jouer avec nous, vous le voyez, ce QR code en bas à droite de votre écran. Vous le scannez avec votre smartphone, vous répondez aux questions, vous rentrez vos coordonnées et puis vous serez peut-être tiré au sort dans quelques jours pour repartir avec un bucket familial offert. Le lien. Le lien, on va peut-être mettre le lien aussi. Le lien dans le chat peut-être. On va voir avec la régie, ça devrait pas tarder. On verra, on y arrivera peut-être. Alors on a un spécialiste KFC, hein. Hugo, il les connaissait tous. Malheureusement, la question, c'est pas là-dessus, Hugo. Allez, on est reparti. 4 minutes 40 à jouer. Un seul petit point de différence pour le moment. Oui, bien sûr, Charlie. Ouais, voilà, le c'est petit propre. Flotteur, c'est la spéciale, ça, pour Charlie Pontins. Il le maîtrise à la perfection. Avec Kenny, tu vas vouloir faire une vitesse. Oula, c'est dur, ça, c'était très dur. Et ça repart Marcus à la baguette, qui a voulu passer à Jonathan Jeanne, on l'a vu dans le regard, mais qui va jouer le 1 contre 1. Ouais, on lui a laissé le quart de terrain. Oh, oui, bien sûr, bien suivi par Jonathan. Bien suivi pour Jonathan Jeanne. Voilà ce que ça apporte, hein, de faire 2m18. Des claquettes, c'est plus simple. Alors, on va pas le cacher, ça aide. Oh, attention, cette perte de balle, on n'en est pas passé loin. Il reste seulement 8 secondes sur cette possession et interception. Oui. Et là, il y a un surnom de Jonathan Jeanne. Et qui enchaîne de suite. Et ben, physiquement, ça a l'air d'aller mieux. Et donc, temps mort tout de suite pour Laurent Klefstra, qui voit que son équipe a du mal là pendant quelques petites secondes. Ils avaient maintenu le PV86 à portée durant les 16 premières minutes. Mais là, ça devient plus compliqué, attention, parce que si Poitiers prend son envol dans ce deuxième quart-temps, eh bien, les visiteurs pourraient ne plus jamais les revoir au score. Et c'est ce que veut éviter le coach en prenant ce temps mort. Et Hervé qui fait le show, notre speaker, accompagné de Dédé, la mascotte du PV86. Ah, il réchauffe la salle à lui tout seul. Allez, on va repartir sur le parquet de Saint-Éloi, 26 à 19. Voilà le score. Au niveau des fautes, un petit coup d'œil au panneau d'affichage, rien d'alarmant. Seulement 2 fautes pour Alexis Largenton du côté PB et 2 fautes pour le numéro 13 du côté Berck. Là, pour le moment, la rentrée de Jonathan Jeanne qui a été payante, hein, parce qu'il a mis des shoots importants. Ah, et Marius. Et c'est lui qui donne un petit matelas. Marius qui allait commettre la faute en voulant chipper ce ballon dans les mains de Arthur et Kenny. Et il y aura donc 2 lancers francs à suivre. Le premier sera réussi. Et devant les Pictagoules qui font du bruit, ça sera un 2 sur 2. Et Berck qui revient à 5 points. Allez, Charlie Pontins. On va venir chercher par-dessus pour Jonathan Jeanne, mais bien couvert par Alexandre Mendy. Mais bon retour de Poitiers, ça va jouer à 2. Mendy, oh bien joué. Il s'est faufilé et on ne pourra pas venir finir.
malchanceux dessus sur ce shoot, Mendy. Ah, parce qu'il était passé entre les deux défenseurs. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion tout à l'heure de scanner le QR code, vous allez dans le chat et vous avez le lien pour le questionnaire KFC. Vous pouvez y aller quand vous voulez. On ne manquera pas de le remettre dans la soirée. Bien sûr, Jonathan. Ah, dommage. Il n'est pas passé loin du panier plus la faute. Mais il y aura tout de même deux lancers pour lui. Ah, il fait du bien dans le domaine aérien, Jonathan Jeanne. Il récupère des ballons sur des secondes chances. Et il vient grappiller des points comme ça. Et là, il est sur la ligne pour deux lancers francs. Le premier est réussi. 27-21. Et le deuxième également, 2 sur 2, c'est propre pour Jonathan Jeanne, alors que Dominique Gentil fait va son, faire retour. Son retour sur le parquet pour le capitaine Alexandre Mendy. Et Marius aussi, Marius Champ qui sort, remplacé par Morgan Durand qui fait son retour. Morgan assez discret jusqu'ici, toujours pas de points scorés. Cani qui va jouer Mendy en homme à homme, et c'est contré par Jonathan Jeanne. Marcus Redford pour Jonathan. Oui, Charlie, bien, bien, bien Charlie, bien Charlie. Ça tombe dedans. En temps zéro, même avant de sauter, il avait envoyé le ballon. Et on a eu une petite hésitation à savoir s'il allait tomber dedans ou ressortir. Finalement, c'est dedans. Et ça fait du bien en PV puisqu'on est à 30. Mais ça revient avec un 3 points de Arthur et Cali du côté Berck. On maintient cet écart à 6 points. Et Anthony qui dit vive les rebonds, c'est la clé du match pour le moment. Il y a plusieurs clés du match pour le moment. Il y a ces balles perdues plutôt. Ah, bon, il s'en sort, Morgan. S'en sort bien, Morgan. Marcus Redford, ça c'est un bon shoot. Ça sera manqué, smatché en touche par Jonathan Jeanne. Et une des clés du match pour le moment, c'est quand même cette rentrée de Jonathan Jeanne qui, malgré le fait qu'il n'ait pas joué depuis plus de 5 semaines, bien, il rentre et il a été performant tout de suite. Il fait des stats et il apporte sa taille dans le jeu. Et ce qui oblige l'équipe de Berck d'ailleurs à faire re-rentrer Mitchell. Mais en même temps, Jonathan en sort. Et c'est Jim qui rentre. Il y a une espèce de jeu d'échecs entre les coachs. Exactement, sur la raquette. Parce que je pense que Laurent Clevstra, depuis tout à l'heure, avait laissé Louis Lefebvre, le plus grand de cet effectif, 2m06 pour essayer de contenir un peu Jonathan Jeanne dans la raquette. Et donc là, sortie de Jonathan Jeanne, on peut faire rentrer Kai Mitchell qui lui pointe à seulement 2 mètres, j'ai envie de dire. Les gens ne t'ont pas vu debout, mais que toi tu dises seulement 2 mètres, c'est assez surprenant quand même. J'aurais bien aimé moi les avoir les 2 mètres pour. Bah t'as tellement plus. Ah Joris. C'est magnifique. Bon, restons concentrés sur ce match avec Dom Gentil qui a pas de chance sur ce shoot là. Mais derrière il y a une belle activité au rebond pour aller chercher deux lancers francs une nouvelle fois. Et Kayon à Jenny Fuja sur la ligne, le numéro 13. Et 2 sur 2. Oui. Ils sont sérieux hein, sur la ligne pour le moment, l'équipe de Berck. Ah, ils montrent un plutôt beau visage hein, sur ces premières 20 minutes puisqu'ils sont en contact, seulement 4 points d'écart avec Poitiers. Et les deux de l'équipe de France de 3-3 qui sont l'un en face de l'autre. Dominique Gentil contre Charlie Pontens, les potes.
ils se connaissent parfaitement bien les deux. Ah oui, ils en ont fait des camps ensemble. Et au départ, on avait soulevé cette statistique, mais elle devient vraiment extraordinaire. 9% de réussite à 3 points pour le PB86 et 12% de réussite pour Berck. On est à 1 sur 11 et 1 sur 8. Ça fait pas beaucoup. Hein. Ça fait 2 sur 19 sur le match. Vaut mieux être rebondeur que shooter ce soir. Et ça, c'est court. Deux reprises pour Charlie Pontins qui laisse des munitions sur la ligne. Et on aura l'occasion en retour de mi-temps de se faire un petit débrief sur toutes ces lignes statistiques pour comprendre le pourquoi du comment. Il y avait de l'idée dans cette passe, finalement l'arrivée à destination. Jim Seymour, est-ce qu'il va pouvoir finir? Ça y est, c'est fait. 17 secondes à jouer. Et la dernière possession sera pour Berck. Alexandre Moisy, balle en main, qui a vu le chrono et qui va attendre 10 secondes tranquillement. Allez, il en reste 6 maintenant. Kai Mitchell, Alexandre Moisy, c'est la doublette qui va charger de prendre ce dernier shoot. Oh, il le sentait. Cassie au buzzer, bien Alexandre Moisy qui dégaine et qui permet à Berck de coller le PB86 seulement 3 points. Et de revenir à seulement 3 points. Allez, 15 minutes de pause, on va nous analyser les statistiques. On va vous laisser entre les bonnes mains de Paul Auboin qui va vous envoyer quelques vidéos, que ce soit la publicité de notre partenaire du soir ou quelques jolies vidéos d'un festival international de 3-3 qui se passe sur la place. Allez, on vous laisse, on vous retrouve dans 15 minutes. Laughing, we be shouting, spitting fire, make it crispy. Is it tender, is it hot, make it tasty. Been waiting for this to lie, put some hot sauce on. Crispy, is it tender, is it hot, make it tasty, yeah. Découvrez le burger original du colonel. Du poulet tendre et croustillant. Cuisiné selon ma recette légendaire, le colonel original burger de KFC.
Riding with my homies in the middle of the night. Almost midnight, like a sticking up too high. Heavy laughing, we be shouting, spitting fire. Make it crispy, is it tender, is it hot? Make it tasty, been waiting for this a lot. Put some hot sauce on. Crispy, is it tender, is it hot? Make it tasty, yeah.
Allez, on est reparti ici pour la seconde mi-temps de ce match entre le PV 86 et Berck Renouflié. Sylvain, on en parlait tout à l'heure, on se fait un petit point statistique pour voir ce qui a été bon, moins bon dans cette première mi-temps. Alors, à commencer avec Poitiers Basket 86. On va pas se cacher, hein, c'est pas le meilleur match statistique qui se déroule sous nos yeux pour le moment. On a parlé de l'adresse. Alors en ce qui me concerne, j'ai plutôt regardé Poitiers. Je ne sais pas si on avait déjà vu Poitiers à 1 sur 11 au shoot, longue distance à 3 points. Imaginez-vous 9% quand on est dans son équipe. On a Marcus Relford, on a Morgan Durand. Et puis il n'y a pas que eux deux, hein. Kevin Mendy est capable d'en mettre, Emmanuel est capable d'en mettre aussi. Charlie, on sait qu'il et Marius sont aussi des joueurs à droit. 9% de réussite, c'est calamiteux, j'ai envie de dire. Et après, pourtant, le reste, c'est plutôt pas mal, seulement 6 balles perdues. On sait que c'est un peu le point faible du PB 86, 7 passes décisives, ça joue plutôt pas mal. Et toi, qu'est-ce que tu as vu du côté de Berck? Alors, il y a notamment une statistique qui m'a un peu interpellé, c'est que dans le 5 majeur, il y a deux joueurs qui ont une évaluation négative et un qui est à 14 avec Alexandre Moisy qui lui réalise un bon match avec ses 9 points, 4 sur 4 au shoot, dont 3 sur 3 à 2 points. Et surtout, dans le plus-moins, il y en a un qui surnage du côté Berck. C'est le numéro 13, Adjeni Fuja, avec ses 2 en plus-minus. Le reste est en négatif. À part ça, sinon, c'est assez équilibré hein, dans les autres stats, notamment en rebond offensif. L'adresse n'est pas présente des deux côtés, tu le disais. Donc, bien, ça va se décanter hein, dans cette deuxième période. Et dans ce troisième quart-temps, on attend de voir qui va prendre le lead. Ouais, encore 45 secondes si vous voulez jouer au jeu KFC pour gagner un bucket des familles pour aller manger des tenders à 4. N'hésitez pas à jouer. Et de toute façon, à partir du moment où vous jouez, vous allez gagner 10% de réduction sur votre prochaine commande dans les 3 magasins, enfin les 3 magasins, pardon, les 3 restaurants de Poitiers, Auchan Sud, Futuroscope, et le nouveau à Beaulieu qui sort le 13 décembre prochain. Ça y est, c'est parti. Allez, 32 à 29, c'était le score à la fin des 20 premières minutes. Il faut aller chercher ce match, on vous le disait, en avant-rencontre. Il est ultra important ce match-là pour le Poitiers Basket 86. Il faut lancer une dynamique. Et ça repart pour Alexandre Moisy. Attention à un paf. Laisser revenir cette équipe de Berck. Bien joué ça, avec un petit peu de réussite. Le bon toucher pour le numéro 11, Arthur et Cali. Et il y aura une faute pour Alexandre Mendy. Ça sera la troisième pour lui. Lui qui est troisième meilleur marqueur de cette équipe de Berck. C'est une mauvaise nouvelle pour les Bleus. Alors on le laisse sur le parquet pour l'instant. Côté Berck, parce qu'on le sait, il apporte beaucoup de choses. Jean-Luc Bouvier, Vincent Martel qui disent allez Berck, bienvenue les amis. Oh, c'était bien fait, vous ça pour qui venez peut-être de cette ville du nord de la France. Oh, c'est dur, mais il va chercher les deux lancers. Marcus Relford sur la ligne. Allez, Marcus. Le premier sera réussi. Lui qui était un peu discret en première mi-temps, limité à seulement 7 points. Loin de ses standards habituels, hein, puisque, on vous le rappelle, il fait partie des meilleurs marqueurs de ce championnat de N1 avec 20,7 points de moyenne. C'est du costaud. Joli pic, il est là le décalage, peut-être à l'opposé. Oh non, on retrouve dessous. Il était arrivé. C'est Emmanuel Pro qui va faire cette faute. Ce sera sa première. Et ça fera surtout deux lancers francs.
Il y avait Bali Koulibaly qui était venu en second rideau. Et le mal était déjà fait. La Poral, le premier reste court. Et le deuxième sera long, 0 sur 2 pour la Poral. On en reste sur ce score de 34 à 31. Ça remonte de l'autre côté, bien sûr, pour Marcus Relford qui va le prendre. Mais oui, c'est propre. Allez, ça y est. Un shoot d'entraînement. Enfin, un peu d'adresse à 3 points. Alors, c'était venu en début de match avec un certain Marcus Relford. Et bien, ça revient avec le même à la baguette. Et c'est le deuxième shoot à 3 points. Oula, c'est gentil court, ça. Pour la réponse. Ça va rester court. Passe, Marcus, est-ce qu'il peut aller? Bien sûr, Imanol, bien sûr, Imanol. Eh oui, de suite. Et ça change la donne. Ça change tout de suite les choses quand on commence à mettre les shoots. Deux shoots d'affilée alors qu'il n'y en avait qu'un seul. Ils ont déjà dépassé le quota de cette première mi-temps. Et bien voilà, seulement un shoot marqué en première mi-temps. Deux en deux minutes et ça fait 9 points d'avance pour le PB 86. 40 à 31. Et donc temps mort demandé par Laurent Kleefstra. On va vous remettre un petit peu de code barre. Le QR code pour jouer tous ensemble au jeu concours. Allez gagner un bucket familial. Alors si vous voulez le lien, vous remontez un petit peu dans le chat. Vous le retrouverez. Il va apparaître. Il va apparaître parce qu'en régie, Tommy et Polo veillent au grain. Et le QR code qui va faire son apparition, bien le sûr. Voici. Et j'ai vu la semaine dernière, tu n'étais pas terrible sur la localisation de l'Aune. Est-ce que tu sais où c'est, Berthe? Alors, à peu près, oui. Ouais, vas-y. Je dirais le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Mais après, où exactement? En fait, c'est à peu près, c'est sur la côte d'Opale, comme ça, je dirais juste, tu vois. C'est à la marque, ça marque la limite entre le département du Pas-de-Calais et de la Somme. D'accord. Ok. Et comme ça, à vue de nez, hein. C'est à peu près à 40 km d'Abbeville, 75 km d'Amiens et puis je dirais à 35 km de Boulogne. Tout ça à vue de nez? Ouais, à vue de nez. C'est le moment de dire bonsoir aux Berquois. Les Berquois, et bien bonsoir à toutes et tous. Tous les supporters de cette équipe, vous êtes les bienvenus sur ce live. Alors qu'on a repris le jeu, 40 à 31. Et Marcus Relford qui va jouer son avantage de taille, qui va servir Bali Koulibaly, bien fait. Bien sûr, il a fait le ménage. Il a fait le ménage dans la raquette et s'est offert 2 points faciles. Et ça fait 9 points maintenant. On avait vu un Marcus Relford en début de saison, 13 scoreurs, mais moins passeurs. Depuis quelques matchs, on a l'impression que... il a un peu changé de dimension là-dessus. Allez, là il y a un vrai surnom. Il fallait au bout pour voir cette petite passe. Manque de confiance en lui là-dessus. Imanol, il a la qualité physique pour aller exploser le cercle. Et là on réclame une touche pour les Poitevins parce que ce ballon serait, semble-t-il, touché. Mais il n'en sera rien pour le corps arbitral. Ballon récupéré par les Berquois. Et Michel, le meilleur marqueur habituellement de Berck, a beaucoup de mal ce soir à scorer face à la défense poitevine. Et Marcus qui, une nouvelle fois, continue à aller provoquer ses fautes. Et c'est ce qui fait la différence hein, avec la première mi-temps où on a beaucoup tenté de shoot extérieur. Là, les joueurs poitevins, ils vont provoquer dans la peinture et chercher les lancers francs. Marcus Relford. C'est dedans. 43-31. C'est pour devenir le meilleur marqueur de cette rencontre, Marcus, s'il score le deuxième avec 14 points.
c'est fait. Ah, il fait un match sérieux ce soir. Dès qu'il y a un peu d'adresse hein, du côté du PV86, on voit tout de suite que ça change le match. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Kevin Mendy. Oui, grosse défense de Kevin Mendy. Avec Marcus qui était venu doubler. Charlie qui va jouer un contre un qui appelle l'aide. Oh, bah, Koulibaly a regardé le cercle quand même. Ouais. Il a hésité. Et un contre un. Il est parti provoquer la faute, Kevin Mendy. Et ça fait tomber les fautes du côté berquois. Et c'est Cani qui fait sa troisième faute et qui est obligé de sortir. C'est le deuxième joueur. Ah non, pardon, première faute, autant pour moi. Ah, c'est la première faute des Cani, mais avant, on avait vu la troisième faute de Ajeni Fuja. Ah bah bien oh fait oui. ça. Oh non, il a raté le plus simple. Il aurait raté une vase dans un couloir. Tu la connais cette expression? Je la connaissais pas. Mais elle est bien sympathique. Marcus Relford qui s'attendait pas à être si seul dans cette raquette. Ah, ça c'est un bon shoot en ouais. rythme. Ah bah les gars, si vous voulez pas le rebond, c'est pas grave. Hein. Marcus oh, qui s'arrête et qui va prendre la faute. Ce sera la deuxième de Dominique Gentil. Et ce sera trois lancers francs. Exactement. Ah, il m'épate vraiment à Marcus là-dessus à avoir cette capacité à récupérer les fautes sur toutes les actions. Soit il marque, soit il prend des fautes. Ça se provoque hein, aussi des fautes, ça s'apprend. Ah, tout à fait. Hein. Ah, je suis content, il y a Laurent qui dit pour la localisation c'est OK. Top. J'étais pas super sûr de moi. Nickel. Mais finalement c'est pas mal. Le premier sera manqué pour Marcus Relford. Le deuxième réussi. Et il y en aura bien sûr un troisième. Berk qui est dans la pénalité avec ses 5 fautes d'équipe. Pardon. Seulement une petite du côté PB86. Allez, ça fait plus 15. Ouais, Marcus. Petite chute, rien de bien grave. Comme ça, de mémoire, je crois que Berk était à 29 points à la mi-temps. Exactement. 10 ils ont et mis 19. Ils ont mis 2 points en 5 minutes. Eh bien, désormais 4 avec Thomas Chikaya. Ouais, c'est juste pour m'embêter ça, au moment où je le dis. C'est pour casser la stat. C'est pour casser la stat. Et bonne pression défensive là par Moisy. Et Charlie qui demande le pic sur Bali Koulibaly. Il reste 8 secondes sur cette possession. Il le joue vraiment un contre un. Ça décale Marcus pour oui. Bali. Superbe. Le N1 en plus. Bali Koulibaly qui sort les muscles. Alors dès qu'il y a de la fixation, de la passe et de la pénétration comme ça, ça change quand même la donne de cette équipe du PB86. Là, il y a eu, on va dire, une période statique dans cette action de 10 secondes. Et à partir du moment où ça se déclenche, c'est plutôt agréable et c'est plutôt efficace. Et on a fait re-rentrer Louis Lefebvre du côté Berk. Lui qui semble être le défenseur attitré pour les postes 5. Quand on a besoin de défendre sur un grand, sur un costaud dans la peinture, c'est lui qu'on envoie au charbon. Et il va avoir la tâche compliquée de défendre sur Bali Koulibaly en réussite ce soir. Oh, petite passe en lob, elle n'est pas facile, elle n'est pas facile, mais ça donne un vrai bon shoot par contre. Jeff Ninja à 3 points. Alors ça sera seulement à 2, il a mordu la ligne. Imanol qui va servir Bali Koulibaly, bien fixé pour décaler sur Marcus. Et Alexis qui s'arrache au rebond. On a l'impression que physiquement ça commence un petit peu à baisser hein, du côté de Berk. Ça se jette moins sur les rebonds.
Oui, bien joué, passe. Encore une belle position. La ça, passe c'est une laser position. Pour Marcus Relford et une troisième chance. On sait, hein, les rebonds offensifs, c'est important, ça aide beaucoup. Et bien là, c'est le cas au bout de trois rebonds offensifs. Au bout de cinq shoots, ça va finir par rentrer. Deux points de plus. Et il y a Hugo Degnaud qui dit Poitiers s'envole. Quand on connaît son physique de Stewart, on ne peut que respecter. 51-35. Et on va avoir un double changement. Marius Chambre, Morgan Durand pour Charlie et Imanol. Plus 16 pour les Poitevins. Et oui, ça c'est propre aussi de la part d'Alexandre Moisy. À mi-distance, ça marche bien pour les visiteurs. Longue distance, non, mais... Des shoots comme ça en petite périphérie à 4-5 mètres, c'est vrai qu'ils sont plutôt adroits. Allez, Marcus et Bali Koulibaly, les deux meilleurs marqueurs de cette équipe Poitiers. Et là, il va attaquer les 2m6 de Lefebvre. On vient décalé. Ah, il a cherché à jouer les Jordan. Ouais. Il y a eu du Jojo dans le mouvement. Il y avait beaucoup d'effets dans ce ballon, mais il n'a pas accroché la planche. Il a oublié d'accrocher la planche. Mais ça fera une très très belle photo. Ça se trouve, si Solo Siana était dans le coin, normalement, on peut lui faire confiance, il y aura la belle photo lundi. Bon, il avait obtenu la faute, c'est ce qu'il voulait. Allez, on repasse à plus qu'un 52-37. Et un deuxième lancé point à suivre. Et Bali Koulibaly qui en est à 18 points, Sylvain. 18, égalité avec Marcus. Cette semaine, c'était Morgan Durand qui avait joué les scoreurs avec Marcus. Et bien ce soir, c'est Bali Koulibaly. Alexandre Mendy à 3 points, décidément, ça ne veut pas de loin. Et Marcus Relford qui, une nouvelle fois, va pouvoir jouer un pick and roll avec Bali Koulibaly. On va décaler dans le 0 joué. Degré. L'extra passe pour Morgan Durand sincèrement, qui fixe. Sincèrement, Morgan, quand on est shooter comme toi et qu'on a un caviar comme ça, on peut... Eh bien lui, il ne se pose pas de questions. Voilà. Alexandre Moisy à 3 points pour faire revenir son équipe à 13 points. On met beaucoup de pression sur le porteur de balle. Allez, il y a un surnom. Allez, Alexis, bon, Alexis sur la tête de Thomas Tchikaya. Le panier plus la faute. Oh mon Dieu, le vol en première classe d'Alexis d'Argenton, Air Martinique, messieurs, dames. Ah, on sait qu'il ne faut pas lui laisser d'espace à Alexis. Peut-être que lui, il ne le savait pas. Mais en tout cas, il l'a appris à ses dépens, là. Alexis d'Argenton qui s'est envolé. Ah, le 2 points plus la faute réussie. Ça fait plaisir de le voir comme ça, de voir son jump, de voir son énergie. Ah, je pense que la famille d'Argenton a dû se lever du canapé. Lefebvre tout seul à 3 points qui tente sa chance. Ah, voilà qui a réveillé Saint-Éloi. Hein. Une action comme ça, ça fait lever les foules. Et Marcus Relford qui va fixer comme il en a l'habitude. Morgan Durand qui s'arrête. C'est marrant que Morgan refuse de les shoot comme ça. Ouais, on l'avait dit en avant-match, il avait fait un 6 sur 9 à 3 points mardi dernier. Et là, systématiquement, il part en 1 contre 1, il part sur le dribble. Tu joues de mieux en mieux, l'orgue, je trouve. Bah, je me suis entraîné. Ouais, c'est bien. Non, mais il n'y a pas trop de fausses notes et tout, je te trouve vraiment bien. Bah, c'est gentil, merci. une minute 50 à jouer dans ce troisième carton. Et Bali Koulibaly une nouvelle fois sur la ligne des lancers. Le deuxième sera manqué. Oh, pour le moment, on a vu une action. Je pense qu'elle est dans le top 5 des actions de l'année du PB86. Ouais, on en a eu quelques-unes pas mal hein, depuis le début de saison.
Ah, mais celle-là, quand même, elle est. Et celle-ci est vraiment sympa. Bah, disons qu'il y a le petit côté poster qui amène son petit cachet, en fait. Hein. Un peu de piment. Oh là. Oui, compliqué. Ah. La balle sera redonnée à Berck. Ah, Marius et Morgan, ils se sont pas vus, ils se sont pas parlé. Et Koulibaly qui va avoir le droit de souffler un petit peu après le gros chantier qu'il effectue depuis le début de cette rencontre. 19 points, 6 rebonds, Joris. C'est quand même pas mal. Ah ben, belle ligne de stats, hein. C'est son match référence pour l'instant à Bali Koulibaly. Et Joris, pour le moment, je viens de faire un retour sur les comparatifs de stats. Poitiers est devant sur toutes les catégories, que ce soit au niveau du shoot, au niveau du lancer franc de 3 points, 2 points, au niveau des rebonds, au niveau de la passe d'est, au niveau des interceptions, des contres, des balles perdues, des fautes, donc nécessairement sur les évaluations collectives, Poitiers est devant. Ouh, gros shoot ça pour Chikaya. Il n'a pas perdu la tête après s'être fait assommer par Alexis d'Argenton tout à l'heure. Et vous êtes encore toujours plus nombreux. Bon, on va dépasser les 650 en instantané. Bon décalage. Pour voir ce joli shoot de Marius Chambre. 60 à 43. On l'attendait. Et le PB86 a passé la seconde dans ce troisième carton. Petit message de Francine d'Argenton qui dit « Sylvain, et oui, le canapé s'est renversé sous nous. Bravo Alexis, mais attention à l'atterrissage. » On sent la maman là qui s'est inquiétée. Mais vu comment il court, qu'il galope, tout va bien. Ouais, ici à Poitiers, on va bien. Le train d'atterrissage est encore de bonne qualité. Allez, mais c'est ça Morgane, ça c'est ton... Eh bien voilà. Oui, mais bien sûr. Faut pas les refuser, ces shoots. Et on va s'arrêter là-dessus. 63-43, 20 points d'avance pour les Poitevins. Eux qui étaient quasiment à égalité. À la mi-temps, ils ont passé la seconde. Et on va pouvoir, nous... Une petite pause pub. Allez, c'est parti. Allez. Découvrez le burger original du colonel. Cuisinez selon ma recette légendaire, le Colonel Original Burger de KFC. Et de retour à la salle de Saint-Éloi, avec un jeu concours, une activation, un duel de lancers francs animé par Dédé. Et nous, en attendant, en parlant de jeu concours, est-ce qu'on se ferait pas un petit point avec le QR code? Ah, mais ça serait magnifique. Si jamais la production était en capacité de nous mettre un QR code et un petit lien internet, ça serait parfait. Bah, voilà, il n'y a qu'à demander. En fait, on sent l'évolution de l'apprentissage au fur et à mesure du match. On sent maintenant là que l'assistant Real est au taquet. 10% de réduction pour tous ceux qui participent avec nous au jeu concours ce soir, et un bucket familial à gagner pour le vainqueur qui sera tiré au sort dans les prochains jours. Pour jouer, c'est tout simple, vous scannez le QR code, vous cliquez sur le lien dans le chat, vous répondez aux questions, vous remplissez vos coordonnées et vous serez peut-être tiré au sort dans les prochains jours. Mais de toute façon, vous gagnerez 10%. Nous perso, on a mangé des tenders tout à l'heure, c'était plutôt pas mal. En avant-match, et c'est pour ça qu'on est en forme. Ouais, on est en forme. Je pense qu'Alexis, il en a pris un aussi avant de commencer. Allez, on est reparti les 10 dernières minutes de cette rencontre. 63 à 43. Voilà le score. Ce troisième carton a été mortel pour Berck. Et pour faire un petit point, premier carton 16 à 10. Deuxième carton remporté par Berck 16-19. Et le troisième carton, on disait qu'ils avaient passé la seconde 31-14. C'est clair. Il y a eu de la réussite. Ouais. Oh bien, joli passe à Lefebvre. Oh, c'est nettoyé par Jonathan Jeanne, qui a eu l'intelligence de ne pas retoucher ce ballon derrière. Et donc la balle sera donnée à Poitiers. Oh, il a fait le ménage. Il a enlevé la poussière aujourd'hui. Il y a Bali Koulibaly qui fait le ménage dans la raquette. Et il y a Jonathan Jeanne qui nettoie le haut du cercle. Oh là, il y a bataille. Et Alexis d'Argenton qui va nettoyer en haut de la planche. Quoi. Mais il n'y a que lui qui peut y aller là-haut. C'est ça. Il y a une faute sur Jonathan Jeanne sur la prise de position au poste. On vous le disait, hein,
Louis Lefebvre envoyé en mission depuis le début de ce match pour tenter de défendre sur les grands intérieurs du Poitiers Basket 86. Il y en a certains sur le chat qui parlent de golavérage, de soigner le golavérage. C'est pas faux parce que c'est, on sait que sur l'ensemble des matchs retour, il va y avoir quand même cette idée de verrouiller au moins la deuxième, le deuxième niveau de poule. Ouais, rebond offensif pour Jonathan Jade. Et ça peut avoir son importance si jamais Berck fait une série à un moment donné. Et cinquième faute de Alexandre Mendy qui va devoir sortir et qui ne pourra plus rentrer dans cette rencontre. Il aura été utilisé jusqu'au bout, Alexandre Mendy. Et il sera remplacé par Dominique Gentil. Et le pauvre qui, lui, troisième meilleur marqueur normalement de l'équipe ce soir, va sortir avec un moins 3 déval, seulement deux petits points à 1 sur 8 au shoot. C'est une petite soirée hein, pour Mendy. Et Jonathan Jade qui retrouve, lui par contre, ses repères, son adresse. C'est tant mieux. Allez, Moisy qui va servir Lefebvre. On va retrouver Dominique Gentil qui va vouloir jouer son 1 contre 1 face à Jonathan Jade. 5 secondes annoncées par les arbitres. Et ballon récupéré. On sent que Dominique Gentil a envie de jouer du 1 contre 1. Et la faute, elle est en bas. Elle est pour Morgan Durand, il sait. Il a préféré faire faute plutôt que donner un shoot. Première faute d'équipe dans ce quart-temps pour les Poitevins. Et retour d'Imanol Pro sur le parquet pour Marcus Relford. Alors Sylvain, je sais qu'on est en période de Noël. Et regarde-moi ce tableau d'affichage là-bas. Ça ressemble un peu à un sapin. Hein, ah, des ça clignote dans tous les sens. C'est pas très éco-responsable comme tableau de faute. Du côté Poitevin, on est plutôt tranquille là-dessus. Bien joué, bien joué. Oh, dommage, c'est pas payé. Allez, Morgan. Ça sera manqué. Et ce ballon sera finalement récupéré. Dominique Gentil, qui avait le pied sur la ligne. Et bien voilà, une seconde tentative pour Morgan Durand. Et cette fois-ci, c'est dedans. Mais il s'est fait mal à la cheville, ouais, Morgan. C'est ce que j'étais en train de regarder. On espère que c'est pas grand chose, mais sur la défense, le joueur lui est retombé dessus. Et là, on a un avantage de taille, c'est du doublé avec Morgan. Ça double, ça double à l'opposé, ouais, par Morgan Durand. Et Marius qui va prendre la faute. Non, non, c'est Morgan, non ? Et non, elle a été annoncée au 25. D'accord, je crois que c'était Morgan Durand qui était venu par derrière. Oui, mais c'est pour ça que Marius d'ailleurs conteste un petit peu. Il ne comprend pas comment il a pu la commettre cette faute. Mais c'est trop tard. La troisième est affichée au tableau d'affichage. Et Chikaya, ça sera court pour lui. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails statistiques, mais ceux qui connaissent le basket comprendront. Au niveau de l'évaluation collective, Poitiers est à 89 et Berck est à 34. Ça fait une sacrée diff. Ouais, sacrée différence. Et ça risque de grandir encore cet écart. Puisque bon, là, on est vraiment passé à une belle 71-43. Un écart, on arrive pratiquement à 30 points maintenant. Et Morgan Durand, on en parlait tout à l'heure, qui prenait pas trop ses shoots. Puis ça y est, il est rentré en confiance. Il n'hésite plus. Et il a bien raison, puisque ça rentre. Et on va avoir un retour de la doublette Ekani Laporal du côté Berck. Mais ça sera après le temps mort demandé par coach Klefstra. À l'occasion une nouvelle fois pour nous d'envoyer le petit QR code. Ça vous permettra d'utiliser à bon escient ce temps mort, d'observer notre DD
toujours aussi taré. Un bon rappel, un bucket familial à gagner et 10% pour tous ceux qui jouent avec nous ce soir. Alors n'hésitez pas, ça prend seulement quelques petites secondes et vous aurez 10% de réduction lors de votre prochaine commande chez notre partenaire du soir, KFC. Alors c'est pour les Berquois, vous avez peut-être pas reconnu, mais en fait Dédé est un Baudet puisque nous sommes dans le Poitou. On a donné quelques infos tout à l'heure sur Berck. La moindre c'est des choses, c'est d'informer les Berquois. Effectivement, ça nous paraît. Que nous sommes dans le Poitou. Ça nous paraît logique. Nous, on a l'habitude de voir notre DD national. Mais ça ne l'est moins pour les visiteurs. Donc en fait, on peut dire qu'un Baudet, c'est un âne poilu et un peu taré quand même. Limite un peu consanguin, tu vois. Mais on l'aime beaucoup, hein. Allez, on est reparti sur le parquet de Saint-Éloi. 28 points d'avance pour le PB86. Et Emmanuel Pro dans le 45 degrés, le voilà. Lui qui avait eu du mal avec l'adresse en début de match. Allez, balle pour Dominique Gentil, qui va peut-être jouer Emmanuel, non, qui joue à l'intérieur. Bien défendu. Oui, bien, bien, bien. On ne sait pas trop quoi faire, ça va être un shoot. Allez, à 10 mètres. Il va shooter de très loin, là, Dominique Gentil. Attention, il faut le bloquer, ce rebond. Et en deux temps, ça sera un nouveau panier pour Berck, pour atteindre la barre des 45 points. Et bien sûr, Emmanuel, c'est bien ça. Ouais, Emmanuel. Il va aller prendre la faute. Hey, il prend de la bouteille, le garçon. Et à force de match en match, lui qui joue en moyenne une bonne dizaine de minutes, il est à 12 minutes de moyenne. Alors, sachant que en début de saison, c'était plus 2-3 minutes. Là, on est sur des bonnes 15-20 minutes de match en match. Et bien, à force, ça fait prendre de l'expérience. Ce match-là doit servir à ça. Hein. Et même, j'ai envie de dire, même à Martin, pourquoi pas. Bah, qu'on pourrait voir rentrer dans les prochaines minutes. Ça pourrait être le cas également mardi, face au Pôle France. On vous le rappelle, on enchaîne à domicile dans quelques jours. Soyez avec nous en live. Mardi prochain, 20h, le PB86 reçoit le Pôle France. Les joueurs de l'INSEP. Ouais, le hasard du calendrier, on l'a dit en avant-match, mais le PB joue les trois derniers du championnat en trois matchs. Il a joué contre les Sables d'Olonne, ce soir contre Berck, puis le Pôle France. C'est une semaine qui peut être riche en points. Hein. Oula, il y a marché là. Il y a un pas de trop. Allez, ballon récupéré par Poitiers. 31 points d'avance désormais. On vous en parlait tout à l'heure du goal average. Eh bien, il faut continuer sur cette lancée. Bien sûr, Emmanuel, il ne faut pas se poser de questions. Malheureusement, ça sera manqué. Moisy, bonne passe. Distance et rebond Jonathan Jeanne qui continue la moisson. Sixième rebond pour lui. Ah, il faut le servir, bien sûr, il est tout seul. Et il va pouvoir monter tranquillement. Allez, continuez. Avec cette intensité en défense du côté Poitevin. Dominique Gentil qui va attaquer Jonathan Jeanne. Il cherchait à provoquer la faute. Alors que je viens de voir une information assez intéressante. On était déjà en train de préparer le live. Mais sachez que avant ce match, le Pôle France a gagné Chartres sur le score de 89 à 81, ce qui veut dire que le Pôle France vient de gagner deux matchs d'affilée.
Bon, c'est pas de bon augure pour le PB86 qui va les jouer dans 3 jours. Mais ça veut dire que le Pôle France est en grande forme. Et ça sera peut-être pas le match si facile, aussi facile que prévu. Il va falloir aller le chercher, ce match-là, mardi. Pas de réussite là-dessus pour Mario Chambre, ça manque un tout petit peu de toucher. Et bien suivi par Jim Seymour. Alors que Loun est en train de gagner du côté de Toulouse et que Rueil est en train de gagner à domicile contre Vitré. minutes 23 à jouer, 35 points d'avance et on vous en parlait, l'entrée de Martin Vergès-Pascal à l'instant sur le terrain. Ça vaut de l'or au niveau de la formation pour Martin. Quelques minutes en National 1 pour comprendre un petit peu l'intensité que ça demande. Voilà, beaucoup de réussite pour Mitchell là-dessus. Beaucoup de toucher, beaucoup de réussite. Kai Mitchell qui augmente un petit peu son compteur personnel. Oh, et bonne interception. Ça va aller au bout pour Alexandre, bien sûr. Ça, c'est des points gratuits. Et je continue le tour des parquets. Sachez que Rennes est en train de gagner de plus de 30 points sur le terrain des Sables. Il y a des résultats intéressants ce soir. Jim Seymour dans la peinture, bien fait. Il impose son physique et fait parler la main gauche. Et tu parlais de la défaite de Chartres, ça tombe bien, c'est le match suivant après le Pôle France. Il y aura un déplacement à Chartres qui était venu s'imposer en terre poitevine, c'était à l'Arena en tout début de saison. Alors est-ce que c'est une contre-performance de la part de Chartres ou est-ce que le Pôle France est en train de prendre un volume? On sait, hein, le Pôle France est une équipe composée de potentiels et des fois quand il y a quelques potentiels qui explosent, bah, c'est plus la même équipe. ...82 à 51, il reste 3 minutes, interception de Alexis d'Argenton, la doublette avec Marius Chambre, on va décaler pour Emmanuel Pro dans le 45 et il y aura une faute, on réclame l'antisportive pour Marius, on va discuter entre les deux arbitres. Ça sera une faute simple finalement, pas d'antisportive. Quatrième faute d'équipe du côté Berck. La prochaine, ça sera de lancer. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Bien, Martin. Passe pour Marius. Il a dégainé de loin, Marius, oui. Là-dessus. Ouais, ils ont du mal à relancer, hein, les joueurs de Berck. Et faute offensive pour Kai Mitchell. Sur Jim Seymour. Anthony qui dit moins de monde dans les salles de basket à cause de la Coupe du Monde de football. Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport. Peut-être. Après, aujourd'hui, le PB86 est un petit peu dans le dur au niveau des résultats. Ça attire peut-être un petit peu moins de monde. Et Marius Chambre à 3 points. Ah, il y a le Brésil qui joue ce soir, Sylvain. Ah, tu t'y connais plus que moi. Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas trop. Mais en tout cas, vous avez bien fait d'être avec nous ce soir pour vivre une victoire à domicile. Ça va le faire, hein, 2 minutes 10, plus de 30 points d'avance. Alors pour les Berquois qui nous suivent, sachez qu'à la fin du match, on descend pour aller chercher quelques réactions, au moins une du côté de Berck, une du côté du PB86. Donc restez connectés avec nous. Oh, la passe laser. Marius Chambre, ça va ressortir sur lui. Est-ce qu'il peut enchaîner? Oui. Eh bien, bien sûr qu'il peut le faire. La patte gauche. 88-51. Le PB qui s'envole dans cette fin de rencontre. Alors que du côté de Berck, le meilleur au point, c'est Alexandre Moisy. Le meilleur au rebond, Alexandre Moisy. Et le meilleur aux passes décisives, Alexandre Moisy.
Il y a un monsieur qui surnage du côté des bleus et jaunes. Et d'ailleurs, il va sortir. 1m75 et il est leader en termes de rebond. Comme quoi ? Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la taille et de la tienne en particulier, mais c'est très bien, 1m75. Ça peut le faire. On peut percer en National 1 avec 1m75. La preuve en est... Et Martin, bien sûr, oui, il est laissé tout seul. Allez ! Ah ! Ça aurait pu être les premiers points pour Martin. Allez, remise en jeu, on va retrouver Alexis d'Argenton. Et faute offensive de Jim Seymour. Ballon perdu. Une 20 à jouer. Et Vincent qui dit, si l'équipe tourne bien, le public revient, je suis assez d'accord. C'est le genre de match qui va donner envie aux gens de revenir un petit peu dans la salle, peut-être pour mardi. Tout à fait. Surtout, à mon avis, pour le match de Tours, le match qui va avoir lieu à l'Arena. D'ailleurs, la plupart des places ont déjà été prises. Bon décalage, Imanol. Ça tombe pas dedans. Ça repart de l'autre côté. Il va y avoir un surnombre là. Ils sont 4 du côté Berck. Ils s'arrêtent, c'est décidément. Et Mitchell qui récupère ce ballon et qui va pouvoir se donner un deuxième shoot. Avec ça un va petit peu de réussite. Dedans. 88 à 53 et 30 secondes à jouer. On va avoir une dernière offensive du côté PB86. On va servir Jim Seymour dans la peinture face à Kai Mitchell. Il est passé, il va aller finir main gauche, bien sûr. Sous le panier. Allez, tout le monde debout dans la salle Saint-Éloi pour finir cette rencontre. 10 secondes restantes à jouer. Dernière possession. Et les 5 dernières. Marius, il va aller pousser et calmer tranquillement. On va s'arrêter là-dessus. Messieurs, dames, victoire de Poitiers Basket 86. Score final 90 à 56. 34 points. En voilà une victoire qui fait du bien à tout le monde dans la tête, surtout pour la confiance et puis pour lancer une série puisque c'est la deuxième victoire d'affilée. On vous en parlait de cette victoire de 10 points d'écart au Sable Vendée Basket. C'était mardi. Eh bien, c'est une bonne semaine pour les Poitevin. 2 victoires en 2 matchs. Il bascule dans le positif, 7 victoires, 6 défaites à la moitié de ce championnat de France de National 1. Il va falloir faire aussi bien, voire même mieux en deuxième partie si le PB86 veut remplir ses objectifs de jouer la phase haute et d'aller trouver une bonne place en play-off pour espérer monter après la désillusion de l'année dernière. Mais en tout cas, voilà du mieux du côté PB86. Une victoire qui fait du bien à tous les joueurs qui se retrouvent au milieu du terrain et qui vont aller faire comme d'habitude le petit tour pour remercier tous les supporters venus ce soir. Et on va retrouver dans quelques instants Sylvain pour un petit mot de nos adversaires du soir. Et puis on essaiera bien sûr de récolter des paroles d'un de nos joueurs pour voir comment ils avaient abordé ce match-là et comment une victoire, une seconde victoire en 2 matchs, eh bien, ça fait du bien à tous. Ouais, Joris, je vais prendre quelques réactions de la part d'Alexandre. Bon, déjà, toi, tu as fait un bon match, mais globalement, Berck a fait une bonne première mi-temps et puis troisième quart-temps, crack. Oui, on sait qu'on est dans une position compliquée. C'est pas facile, on était dedans à la mi-temps, on pensait faire quelque chose ici. Après, ouais, on a craqué, c'est un peu à l'image de notre saison. On n'arrive pas à être constant sur 40 minutes, malheureusement. Mais voilà, bon, on sait qu'on joue le maintien, donc après, on va avoir gagné les bons matchs. C'était assez surprenant quand même ce début de première mi-temps, avec un score de 30-30. C'est vrai, très peu d'adresse. Après, il y a une belle adresse du PB86 sur le troisième quart-temps.
Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est vous qui avez baissé de régime ou c'est eux qui ont augmenté le niveau? Je pense que c'est un peu des deux. Nous, on a baissé de régime. Mais après, eux, ils ont mis des bons shoots. Ils ont su trouver les shoots ouverts. Et quand on trouve les shoots ouverts, généralement, on les marque. Donc, bravo à Poitiers. Et nous, va falloir qu'on retourne travailler. C'est une, on sait que c'est compliqué, hein, l'apprentissage d'un nouveau. Enfin, bon, tu connais aussi la Nationale 1 et forcément... On vous souhaite de vous mettre d'avancer, la saison est encore très longue et le maintien est largement possible encore. Oui, bien sûr, on l'espère tous pour le club, pour les supporters et voilà, j'espère qu'on va se maintenir et, parce que c'est un beau club Berg, donc voilà. Bon, bah, très merci, bien, bah, merci bonne continuation, merci. Ciao. Et on est avec Jonathan Jeanne, une petite réaction, Jonathan, une victoire de 34 points, elle fait du bien celle-là. Énormément, elle fait beaucoup de bien. Il nous reste 5 matchs et on a commencé par une victoire. Le but c'est de finir avec 7 victoires parce qu'on n'a pas bien commencé le début de championnat et il faut qu'on se rachète. Et devant notre public, c'est toujours plaisant d'avoir des victoires, donc oui, ça fait du bien. Toi personnellement, tu as été coupé par une blessure. Comment ça a été ce moment où on regarde les copains jouer sans pouvoir peser sur les rencontres et comment tu vas aujourd'hui? Mais c'est sûr qu'une blessure c'est toujours frustrant. Pour ma part, j'ai essayé de garder la tête haute et rester très positif, justement pour observer ce qui manquait à notre équipe pour que lors de mon retour, je puisse apporter ce qui nous manquait. Et ouais, c'est sûr que c'était très long en tout cas. Rendez-vous mardi ici pour un troisième match de suite. C'est face au Pôle France. On enchaîne, on continue la série. C'est ça, l'objectif, c'est de gagner le maximum de matchs avant 2023. Et sachant que c'est le Pôle France, il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des jeunes, ils vont venir agressifs avec beaucoup d'énergie. Donc à nous, c'est à nous d'être prêts et de tout donner pour gagner le match aussi. Merci Jonathan pour ces mots. Bon courage pour la suite. Merci, bonne soirée. Et bien voilà la réaction, Jonathan, pour un retour gagnant. Ouais, pour un retour gagnant et puis surtout une victoire. On avait souffert la semaine dernière avec Lon, c'était quand même très très compliqué. Le PB a mis une mi-temps à 6 mètres, mais une fois que la machine était en marche, voilà, on a vu avec Alexandre ce qu'il disait. C'est vrai que c'est un Berck qui est un beau club, mais il faut se mettre au niveau de la Nationale 1. Ils ont tenu une mi-temps contre le PB 86. C'est une deuxième victoire d'affilée en une semaine. C'est assez rare pour le souligner du côté du PB 86. Il y a la possibilité de faire la passe de 3 mardi prochain. Il ne faut surtout pas s'arrêter là. Ouais, première mi-temps compliquée. On a senti qu'une fois qu'ils avaient trouvé... les solutions, ils ont commencé à dérouler et puis là, Berck a tout simplement plus rien faire. Oui, y a eu un tout petit peu d'adresse. À la mi-temps, c'était quand même une catastrophe. Il y avait 15%, même pas 12% de réussite de part et d'autre sur les deux équipes. Bon, ben bah, voilà, une fois que le PB 86 a réussi à mettre 2-3 shoots à mi-distance, à longue distance, bah, le match a changé de physionomie. Et c'est vrai que Jonathan y est aussi pour quelque chose. C'est vrai que sa taille a beaucoup servi. Il a fait peur un petit peu dans la raquette. Il faut souligner la bonne prestation de Bali, Koulibaly. Exactement, ouais. Ouais, c'est franchement, il y a eu un beau match de sa part. Après, c'est un match sérieux contre une équipe qui essaye de comprendre ce que c'est que le niveau de la Nationale 1. Et il faut toujours respecter un club de Nationale 2 comme ça qui arrive en Nationale 1. On se retrouve mardi ici pour une troisième victoire de suite, on l'espère, face au Pôle France. On espère. Mais attention, le Pôle France vient de gagner contre Chartres. C'est ce que tu disais tout à l'heure, donc attention, un match à prendre au sérieux. On finit juste en rappelant que, bah déjà, on remercie notre partenaire, hein, KFC, pour nous avoir suivis et supportés ce soir. Il y a toujours le QR code qui va être affiché sûrement par notre régie. On va laisser le jeu encore quelques temps, donc vous pouvez remonter le fil sur le fil du YouTube et puis de jouer. Il y a le lien. Et puis, il nous reste à vous remercier d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux ce soir. Merci beaucoup pour suivre cette victoire. Merci Sylvain. Bah, merci Joris. Et puis, mardi. À bientôt. Et puis, félicitations à Tommy et à Paul qui sont derrière et qui nous explosent l'oreillette. À mardi. Ciao tout le monde.